Dans cette capsule, nous allons achever la correction de l'exercice 4 du sujet de Pondichéry qui est tombé le 26 avril 2017, dont le thème principal est les suites numériques. Il s'agissait donc d'étudier deux suites numériques, une par récurrence et l'autre de manière explicite. Nous avons traité la partie de la suite définie par récurrence, la suite donc UN. Nous allons cette fois-ci, dans cette capsule, nous concentrer sur la suite VN, dont on va nous demander de la limite. Alors, il s'agit donc ici de traiter de la partie C. Et dans un premier temps, on va nous demander de prouver que la suite UN sur VN est décroissante, mais seulement à partir du rang 3. On va faire cela. Alors, UN sur VN, si vous voyez bien, alors attendez, je vais revenir peut-être à la définition de UN plus 1. Donc UN sur VN, oui, je me sers, il faut se servir d'un résultat précédent qui était la forme explicite de la suite UN. Je vous y renvoie. Et en fait, si vous faites, si vous calculez, c'est là. Voilà, on se sert de ça. Donc, c'est à partir de ça qu'on va faire UN sur VN, parce que puisque VN est égal à 2 puissance N, vous allez avoir au numérateur donc tout ce terme-là divisé par 2 puissance N, et ce terme-là, seulement ce terme-là divisé par 2 puissance N, ça fera 3. Par contre, pour le reste, on aura bien N-2 divisé par 2 puissance N. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, donc il y a le 3 lié à la division de 3 fois 2 puissance n sur 2 puissance n, et là, je n'y touche pas. Alors, nous poursuivons ce travail en nous posant la question, comment je vais démontrer que cette suite est décroissante. Donc, on va servir pour une suite, par exemple, à n, pour prouver qu'elle est décroissante, il faut chercher le signe de an plus 1 moins n, donc espérer qu'on trouve quelque chose de négatif. Ben, là, je vais m'y prendre de la même manière, sauf que ça va donner un plus 1 sur vn plus 1 moins un sur vn. Je vais chercher le signe de cette chose-là. J'écris, je remplace dans cette formule tous les n par des n plus 1, ça donne ceci, et n plus 1 moins 2, hein, ça fait bien n moins 1. Et là, les 3, quand je vais enlever les parenthèses, vont s'annuler. 3 moins 3, ça s'annulera. Ensuite, il faudra, j'ai deux fractions, je vais les mettre sur le même dénominateur, et donc il suffira de multiplier par deux numérateur et dénominateur de celle-ci. Ce qui fera, donc celle-ci est invariée, on n'y touche pas, n moins 1, et là je multiplie le numérateur par 2, et ça donne bien ceci. Je vais développer le numérateur. Ça me donnera, alors, n moins 2n, ça fait moins n, et moins 1 plus 4, ça fait bien plus 3. 2 puissance n plus 1 est tout le temps positif, donc le signe de ce terme-là est celui de moins n plus 3. Or, à partir, il y a un changement de signe en 3, et donc au-delà de 3, ce terme sera négatif, c'est-à-dire que le terme dont je cherche le signe sera négatif au-delà de 3. Ce qui signifie bien que UN sur VN est décroissante à partir du rang 3. Voilà, ceci achève la correction de la question 1. Alors, je reviens à l'énoncé du deuxièmement. On admet cet encadrement. Et donc, on nous demande, moyennant cela, de déterminer la suite de UN sur VN. Alors, le fait qu'il y ait un encadrement nous suggère l'utilisation du théorème des gendarmes. Alors, on va voir. Donc, essayez d'avoir cette double inégalité bien en tête. Alors, je reviens à la partie 2. Alors, je pars du terme et je fais apparaître le terme qui est encadré dans l'énoncé, c'est-à-dire celui-ci. Et du fait que ce terme-là soit encadré par 0 et 1 sur n, ça m'autorise à écrire ceci. N sur 2 puissance n est compris entre 0, ben je rajoute à ces deux termes-là 0 pour avoir
le minorant, et pour avoir le majorant, je mets 1 sur n ici. Donc là, ensuite, ben, on va chercher la limite des termes. Ce terme-là, 2 puissance n moins 1 tend vers plus infini, donc ce terme-là tendra vers 0. 1 sur n tend vers 0, ça, ben, c'est ce même terme, donc ça tend vers 0. Donc en fait, les deux termes ici qui encadrent un sur bn tendent tous les deux vers 3. Ben, d'après le théorème de Gendarme, on aura bien que la limite de un sur bn est égale à 3. Voilà, ceci achève à la fois la correction de la partie C et de l'exercice 4 en entier. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt!